Nous sommes au cœur de la forêt tropicale. Nous espérons assister en direct à l'éclosion imminente des tutti-frutti. Cela fait déjà plusieurs jours maintenant que l'équipe attend ce moment. Oh, ça y est, sous nos yeux, les tutti-frutti apparaissent enfin. Approchons-nous progressivement. Heureusement, nous sommes tous équipés de jumelles. Il ne faut pas faire trop de bruit non plus. Les tutti-frutti sont craintifs. Il y en a un beau là-bas. Un peu trop haut, malheureusement. Certains auraient dressé des oiseaux sauvages pour les décrocher des arbres et les rapporter à tire-d'aile. D'autres ont, paraît-il, tenté leur chance avec des colonnes de fourmis. Il semble que ces expériences, pour le moment, n'aient pas vraiment porté leurs fruits. Quel phénomène extraordinaire! Ils poussent directement dans les arbres. Certains se confondent avec les écorces, d'autres, au contraire, jouent le contraste avec des tons acidulés. C'est une éclosion historique. Il faut le voir pour le croire. À côté, les fleurs tropicales ont l'air d'être toutes pâles. Nous essayons de nous approcher subrepticement. Ils sont un peu sauvages. Il paraît qu'en cueillir un porte chance. Une légende de la forêt raconte qu'on peut aussi les trouver chez Hermès. Il est possible de les admirer de près sans escalader de rochers, ni grimper à des arbres. À vérifier.